Salut tout le monde, c'est Fidelfa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter c'est quoi Magic et les bases de Magic si vous voulez commencer à jouer. Bah, déjà, Magic c'est un jeu de cartes que tu peux jouer en ligne ou en papier, en mettant au compte des potes à la bibliothèque ou sur une table. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 et c'est un jeu qui a plusieurs types de testage de jeu. Vous pouvez jouer, en mettant. Commandant, quand vous jouez commandant, c'est que vous pouvez que jouer une fois les cartes de votre deck. Donc là, on va expliquer c'est quoi, selon moi, les meilleures classes et pourquoi, c'est quoi leur spécialité à ces cartes-ci. Donc, commençons par les forêts. Les forêts, ça se trouve à être les decks les plus longs à jouer contre. Explication, les forêts ont des terrains comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, sûrement oui. Les forêts sont un deck qui prend le temps à pas le temps de prendre les manas, sauf que c'est un deck qui va souvent se soigner et qui va rester toujours comme il faut. C'est un deck qui vous manquera jamais d'HP. C'est un deck qui est très déconseillé, mais conseillé pour jouer des tokens. Donc les tokens, ça se trouve à être les tokens. Désolé, c'est une carte qui peut être jouée. Dès que vous avez une carte qui est une autre carte qui est reliée, genre jouer une bête, mais là moi c'est la bête, beast en anglais c'est bête. Donc si j'aurais une carte qui fait jouer une bête, bah, je peux jouer cette carte-ci. Aussi, c'est assez important dans Magic de savoir c'est quoi les cartes font, quelle est leur spécialité. Donc c'est ça pas mal forêt, vous pouvez jouer des bons decks comme les decks Oko. Les Oko c'est tout ce qui est clonage, c'est un Planet Walker. Une Planet Walker c'est la carte, on pourrait dire la meilleure carte dans le deck la plupart du temps. Car c'est la carte qui va créer les attaques et les protections, les effets des cartes et qui va révéler la puissance dans le deck. Donc sur des decks vous avez pas mal le choix, pas le choix d'avoir des decks classique comme Planet Walker, comme l'eau. D'habitude on utilise beaucoup Jace, c'est une carte qui est jouée dans les decks eau. Oko c'est les decks forêt. Fire, ben feu, du coup c'est Chandra. Mort, ça c'est, je sais pas c'est qui, ça c'est ça. Puis Teferi, ça peut être lumière. Donc Teferi c'est un chercheur de trucs. Commençons pour la deuxième classe. La deuxième classe que je trouve moyen, sauf que c'est celle que je joue le plus souvent, c'est l'eau. Donc les Iceland. C'est des cartes très très longues à avoir, vu qu'ils coûtent pas mal cher. Sauf que c'est aussi les cartes où vous avez le plus de chances d'être temporisé. Temporisé, ça veut dire que vous gardez le terrain à vous. Le terrain, c'est où que vous mettez les cartes, donc le board, on va dire. Ben ça, si vous avez, avec les decks hauts, vous avez pas mal de serviteurs dessus, sans que ça soit des serviteurs à haute importance comme 4-4 ou des 3-3, pour avoir des 1-1. Sauf que avec un deck jazz, vous pouvez, chaque carte sont importantes dans le deck. Voici la définition des decks hauts. Là, on va passer sur les decks fire. Les decks fire sont les decks les plus rapides à jouer. Ils ont des terrains semblables comme ça. Bon, j'ai pas de terrain holographique, sauf que ça reste un terrain, c'est un terrain. Ben Magic, le terrain de feu, ben le feu c'est les terrains rapides. Vous jouez environ par deck 25 terrains habituellement, mais là vous pouvez jouer jusqu'à 35 terrains. Sauf que cela va avoir pas mal de terrains, car les terrains de feu vont servir à jouer les cartes de feu. Ça on sait tous, j'espère que vous le savez. Car sinon il faudra faire un gros tuto de base et ça va prendre du temps, parce que là c'est pas comme ça qu'on fait des vions. Bon, reprenons, le feu, c'est l'attaque rapide. Vous commencez la game, vous avez déjà deux serviteurs 3-3, plus Chandra, qui est la planète Walker habituelle d'un deck feu. Super puissante, et c'est les sorts d'attaque. D'habitude, les sorts, c'est du counter, où ça joue pas mal lentement, et c'est des trucs qui va transformer des cartes en n'importe quoi. Mais là, c'est l'attaque des sorts, puis c'est assez puissant et rapide. Bon. Après, contre un deck forêt, le feu brûle pas réellement la forêt. On n'est pas dans Pokémon. Donc, ça reste que parfois la forêt est beaucoup meilleure que le feu. Car
Elle se soigne des dégâts de sort. Et l'Ice Lance, c'est pareil. Ça reste comme dans Pokémon, l'eau bat le feu. Car il a, dans les decks eau, il a pas mal de counterspell. Ça fait que les sorts ne peuvent pas être joués en jouant des cartes. Donc c'est important toujours d'avoir du mana. Le mana, c'est des terrains. Et ça, vous, je pense que vous le savez tous. Passons à la quatrième classe et l'avant-dernière, les plaines. Les plaines sont les decks lumière, on pourrait les appeler comme ça, ou soleil si vous voulez. Ben, ces decks-ci sont assez importants si vous voulez détruire des serviteurs. Bon, c'est pas la principale destruction de serviteurs, mais sauf que vous détruisez assez bien les serviteurs quand même. Car ça détruit beaucoup de serviteurs, sauf que ça vous donne après de la vie. Donc c'est un mélange entre la mort, les decks morts, que je vais vous expliquer tantôt, et les forêts. Ça vous soigne en même temps de détruire. Donc c'est pas mal ça qui vient des plaines, et c'est pas mal des cartes combo, comme des cartes qui sont longues, les Planeswalkers sont quand même assez tôt à jouer et c'est des cartes pas mal qui va s'envisager vers les anges car il n'y a que quasiment des anges dans les decks lumière. Passons à la dernière classe, j'ai pas de terrain à vous montrer car je les utilise tous dans des decks, mais c'est le mana de mort. Pardon. Donc le mana de mort, c'est les destructions de serviteurs et les dead touch. Les dead touch, c'est dès que vous allez attaquer un personnage, même si vous avez 0 ou 1 d'attaque, ben vous les détruisez autant. Même s'il a 16 de vie, vous les détruisez. C'est des cartes assez puissantes, sauf que c'est des decks qui prend le plus de temps à récolter. Tiens, c'est rare que vous allez acheter des boîtes de decks, comme je vous l'ai pas dit, sauf que c'est plus rentable de ne pas acheter des decks comme ça. Ça coûte cher, sauf que ça donne rien. Donc moi j'ai acheté le deck Jazz. Ça là, ça c'est 28$ au Walmart. Et c'est rentable, mais à moitié, vous avez que deux boosters, tandis qu'un booster c'est 5$. Donc avec ça, j'ai beaucoup plus de boosters tout seul, sans jouer. Donc c'est meilleur. Et évitez dans les magasins, si vous voulez avoir des cartes magiques, évitez totalement d'aller tout simplement voir les gros magasins, aller voir les petits magasins comme au Québec. Nous, on a le GameSpot ou l'Anneau du Temps qui est à côté de l'école Saint-Joseph qui est super cool. J'ai acheté plein de trucs là-bas de Magic et c'est parfait. Et ça coûte pas trop cher. Puis c'est parfait. 3 secondes, je reviens. Là, je suis pas d'accord, ok? Finalement, il y a des choses qui sont pas du tout fortes. Tu as oublié d'expliquer quand même des choses, les plaines. Les plaines restent super fortes. Car tout simplement, si vous voulez jouer les plaines, conseil de petit ami, car vous, je vous connais, c'est toujours j'achète ça sans savoir qu'est-ce que ça fait. Les plaines sont les decks en ce moment les plus joués. Explication? Les plaines sont assez fortes, ils ont des trous de néant, comme tu as dit, qui détruisent toutes les cartes. Sauf que, c'est beaucoup plus fort que toutes les classes. Explication encore une autre fois, vu que vous comprenez toujours rien. Bon, vous, oui, vous. Eh ouais, mon pote. Mais là, les plaines, regarde ça. Ça, les plaines. Les plaines, c'est pas toujours qu'est-ce qu'on veut. Tiens. Ça, ces terrains-ci, c'est les meilleurs. Ah, attends, je suis pas capable de vous filmer. Bon, je suis pas capable. C'est ça, les plaines, c'est beaucoup de néant et c'est des cartes qui coûtent beaucoup moins cher. Et c'est les decks aussi, en ce moment, les plus joués par les professionnels. Qu'est-ce que t'as? Tout simplement, c'est pas ça les decks qui sont les plus joués, c'est les morts. Ça, tout le monde le sait. Même pas besoin de vous expliquer. Vous tuez les cartes en n'importe comment vous voulez. Ah, voici, c'est ça. Allez, abonnez-vous. Serveur. Discord en description. Mettez la chaîne. Puis voilà, c'était le premier tuto Magic. Puis peut-être pas le dernier. Abonnez-vous!